vite, plus vite. M'en fous, je sors par cette porte et je fais le tour en entier. La transition de ouf. Le mec part le jour et revient la nuit. Désolé, je mets un jingle parce que je sais pas quoi dire. Hein. Pour l'instant, c'est juste qu'on va aller tout cafeter au gros barbu. Je ne peux pas le croire. Toutes ces années de travail, pourquoi? Une seule opération bâclée. J'attends le débriefing de Tristan, mais je me demande si ça en vaut la peine. Sans Prime. Eh bien, plus rien ne les en empêche, désormais, pas vrai? Et après la destruction de notre principal moyen de défense, je ne vois pas comment les arrêter. Il me faut de quoi travailler. Ah oui. Eh bien, je vais voir si nous parvenons à les lire. Elles nous renseigneront peut-être sur ce qui s'est passé. Ce serait bien de pouvoir retirer un petit quelque chose de tout ça. Merci de me les avoir apportées. Je crois que l'aîné Lyons aimerait vous parler. Vous devriez peut-être aller le voir. Si vous voulez bien. Oh, il casse ses couilles, le mec. Ici l'intendante. Qu'est-ce que vous... Dites-moi qu'il est dans cette base. Eh non, putain, il est dans les quartiers. Je reste vigilant. Et dans les quartiers, c'est super chaud de s'y retrouver. Que ce soit dans la vraie vie, dans les quartiers chauds de la ville, ou dans les quartiers de ces trous du cul de la confrérie. Putain, mais vous avez vu tout à l'heure comment tout ce qu'il y avait exploré? Mamma mia, ça fait mal aux fesses. Bon. Alors. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'en ai ras le bol, pourquoi ils ont pas fait cette traduction là? Le mec il parle en français. Bonjour, are you fucking away with your fucking mom? Le mec il piche que dalle. Oh, t'es français ou t'es anglais? Aucun des deux. Salut. Ta gueule. Je suis trop respecté, vous avez vu. Miskin, on n'est pas tout seul, je vais faire un clip de rap avec les mecs de la confrérie. J'imagine que vous avez discuté avec Rothschild. J'espère qu'il pourra exploiter les données que vous avez récupérées. La destruction de notre meilleure arme risque de nous faire perdre l'initiative et de mettre en péril toute cette campagne. Je dois reconnaître que je me demande si cette opération était une bonne idée. Voilà où nous en sommes. Mes sentiments de père mis à part, notre meilleur commandant tactique est dans le coma. Les choses ne vont pas très bien. Si nous échouons maintenant, nous risquons de tout perdre. J'espère de tout cœur que vous avez raison. Si nous gagnons, ce sera encore une fois en grande partie grâce à vous.
Le paladin Tristan a demandé votre affectation à une mission spéciale. Allez le voir sur le champ. Le temps presse. L'enclave risque d'exploiter la situation à tout moment. Salut. Beau travail là-bas. Espérons que les scribes sauront tirer quelque chose des infos que vous avez trouvées. Malheureusement, on n'a pas le temps de rester assis en attendant l'analyse. D'après ce que je sais de vous, je crois que j'ai une mission qui devrait vous aller. J'espère que c'est le cas. Tous les moyens de la confrérie sont affectés à la défense contre une attaque de l'enclave. Nous manquons de monde. Au point que nous n'avons personne pour aller chercher une nouvelle arme qui pourrait nous aider face aux vertipteurs, du moins jusqu'ici. D'après les informations que nous avons recueillies, l'objet dont nous avons besoin se trouverait dans la centrale d'Aulnay, au nord de cette ville. Avec de la chance, vous y trouverez une bobine Tesla, un appareil expérimental datant d'avant la guerre. Nos scribes en ont besoin pour achever une petite surprise qu'ils préparent à l'enclave. Allez là-bas, récupérez la bobine et revenez au plus vite tout en évitant les ennuis. Des questions? Allez voir le scribe Valincourt. Elle étudie une partie des technos de l'enclave que nous avons récupérés. D'après ce que j'ai compris, elle a peut-être pondu quelque chose. Le labo de la citadelle. Alors voyons voir si c'est un endroit précis. Citadelle laboratoire. Oh mon Fatman, je l'avais perdu. Je rock du poney. Paf. Salut. Allez. Merde, il est en dessous de moi, fait chier. Mess Hall, c'est pas là. Dans ce cas, où est le laboratoire? Qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, ta gueule.
pas les shots. Le Val... Ah, il s'appuie... Ah, il n'est pas marqué, faut que j'aille le trouver, ce connard. Alors, c'est parti. On va spotter tous les mecs en robe rouge. La confrérie est à votre service. Non. Ah, voilà. Je suis toujours très très occupée. C'est important ou ça peut attendre? Eh bien, peut-être. Je veux dire, c'est possible. Je le crois, mais je n'en suis pas certaine. Je ne sais pas si ce sera vraiment utile. Je veux dire, je ne sais pas si ce sera efficace puisque ça n'a pas été réellement testé. Mais je crois que j'ai trouvé un moyen de couvrir les signaux qu'utilise l'enclave pour contrôler ces écorcheurs. Tenez, prenez ça. C'est un prototype, alors tâchez de ne pas le perdre. C'est un émetteur semi-standard. J'ai simplement modifié la modulation de fréquence et augmenté la puissance. D'après les tests menés ici, en labo, ça devrait couvrir les signaux qu'utilise l'enclave pour contrôler les écorcheurs. Pas de souci. Ça émet en permanence, alors vous n'aurez rien à manipuler. Il suffit de ne pas le perdre. Et jusqu'ici, je n'ai constaté aucun effet néfaste d'interférence électromagnétique sur les humains. Les animaux peut-être, mais pas les humains. D'ailleurs, ça n'a pas une portée énorme, mais elle devrait suffire. Ça couvre les signaux de l'enclave, alors en ce qui concerne les écorcheurs, vous êtes à l'abri. Et rappelez-vous que son fonctionnement est passif. Tant que vous aurez le brouilleur sur vous, il fera son travail. Alors... Tant mieux. Au moins comme ça... Non, je ne crois pas. Tant que vous serez à l'intérieur de la portée de l'émetteur de l'enclave, c'est votre signal que devrait suivre l'écorcheur. Si vous vous éloignez trop, je ne sais pas ce qui risque d'arriver. Il risque d'y avoir un effet néfaste pour l'écorcheur, pas pour vous. Très bien. On a signalé un campement de l'enclave au sud-est d'Old Olney. Alors si vous voulez faire un essai, à votre place, c'est là que j'irai. J'espère que le brouilleur sera utile. Ça m'embêterait d'avoir passé autant de temps dessus pour rien. Ou pire, pour qu'il soit une source d'ennui. Bonne chance, et surtout, prudence. Bon, maintenant on se casse, on va aller flinguer les gens. Raccourci. Inutile de se rendre car il vous abattrait quand même. Alors fuyez, cachez-vous, combattez si vous avez ce qu'il faut, mais surtout n'agitez pas notre plan. Allez, c'est parti. On va niquer les gens. On va niquer ce soir. Thank you.
con. Ah, y a plus de jambes. Oh merde, c'est rue du pont, je crois. Ah ouais, c'est vrai que sur les autoroutes il y a des écorcheurs. LOL. Il est où? Ça me perturbait un point haut sur la carte. C'est une merde. Ah, il va se faire déchiqueter la gueule, je crois. Il me faisait un peu trop chier. L'ami l'écorcheur. Ah bah ça va, c'est
C'est devenu mon pote. Mon pote. Alors, on va les aider, parce que lui je pense qu'il est pas contrôlé par la confrérie. Je suis venu ici. Non, je l'aurais pas eu. Ah merde, il y avait un trou jusqu'ici. Ouh, c'est glauque. Il y a trop de gens morts ici. Je vais aller là-bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à fouiller? Des armoires, on s'en bat les couilles. C'est juste pour lance-roquette qu'on devait venir ici. Lui, ça va faire un petit tour dans la grotte. Ah, mais oh, saleté de lit. J'entends des bruits. Peut-être un bug de collision.
C'est tout. C'est de la merde. Non, moi je suis fixé, j'ai pas exploré toute une putain de grotte. Pardon monsieur. Alors, on va en avoir la masse ici en plus. Ah, j'en ai déjà sonde 1. Faisait peur. Alors, on va prendre le lanceur de nuke. Merde, j'ai peut-être pas dû faire ça. Au moins, ça les a calmés. Il essaie de défoncer lui. Allez, crève. Je vais mettre ma vie. Merde, y a l'autre qui réplique. Ces bâtards, en fait, ils vous laissent pas dégainer, c'est abusé. Ouais, c'est bon, putain, on peut même pas jouer au Fatman, c'est abusé, hein. Oh là là, je suis con. Moi qui veux tant utiliser le Fatman en intérieur, bah, je vais le refaire.